vraiment les couples soient bien unis, une fusion totale entre l'homme et la femme, d'après le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim du roi Salomon. Donc on était dans le quatrième chapitre, Pasuk Iti Melevanon Kala, Iti Melevanon Tavoi, Tashuri Mirosh Amana, Mirosh Senir Vechermon, Mimeonot Arayot, Meharre Nemerim. Qu'est-ce que ça veut dire? Iti Melevanon Kala. La Kala, tu es avec moi. Comment tu es avec moi? Meharre Alevanon. C'est quoi Arazé Alevanon? Levanon, c'est le nom qui s'appelle Loven. Le blanc, ce qui est blanc. Et ce qui est intéressant dans la terre d'Israël, c'est plus on va au nord, plus c'est froid. Donc déjà au Liban, Levanon c'est le Liban, déjà là-bas, en hiver, il fait froid, il y a de la neige. Donc quand il dit ici, Iti me Levanon Kala, quand est-ce que tu es vraiment avec moi, la Kala, c'est la mariée? Seulement quand je t'ai donné le Levanon, le Loven. Et c'est quoi le Loven? Le sang blanc. Le sang blanc découle du cerveau. Pourquoi? Parce que le sang blanc, ça s'appelle le liquide masculin. Quand on donne le liquide masculin à la femme, le liquide masculin débute du cerveau. Il y a une petite glande. Et quand on a une envie, un désir très fort, cette glande se remplit grâce à la lumière d'un certain liquide très 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 fin. Ce liquide passe par la colonne vertébrale, rentre dans les reins, des reins, glande surrénale, oxytocine, tac, ça rentre en bas et ça sort vers la femme. Mais ça s'appelle l'oven. Et pourquoi c'est du l'oven? Parce que le l'utérus de la femme, ça s'appelle odem. C'est le rouge. Et quand on regarde en haut les sphérotes, les attributs spirituels, on voit que le blanc, la couleur blanche, c'est la miséricorde. Et la couleur rouge, c'est la rigueur. Mais on sait que ni le blanc peut tenir seul, ni le rouge tient seul. Donc il y a une sphère qui s'appelle Tiferet, qui va ajuster tous. Et elle, c'est pas le... Chez la femme, quand on dit rouge, le Ari Akadosh explique que c'est pas du vrai rouge. C'est comme le vin. C'est une couleur de vin. Bordeaux. Et Bordeaux. Et quand on les met ensemble, ça dépend combien de blanc il y a et combien de rouge ou du Bordeaux il y a. Et ça fait un certain mélange. Ça peut être du violet, ça peut être de l'orange, ça peut être ces couleurs-là. Donc quand il lui dit « Iti melevanon kala », Iti, c'est toi, tu es avec moi. Comment tu es avec moi? Quand il est écrit Iti, c'est Aleph. Aleph, c'est le commencement du nom céleste féminin. Yud, c'est le commencement du nom céleste masculin. Donc on voit ici que la femme, avant l'homme. Et déjà on a une étude qu'il faut premièrement contenter la femme, après l'homme. Et le Taf, c'est 400. C'est le numéro 400. 400, c'est 4 mondes. Atzilut, Bria et Tzira Asiya. Et 10 fois 10. 10 attributs, 10 fois. Donc on a la femme qui veut être ensemble avec l'homme dans tous les mondes. Du haut, le plus spirituel, jusqu'au plus matériel. Milevanon, ça veut dire que le liquide masculin, quand il découle du cerveau, de la tête, il passe par le corps physique, il passe par le membre essentiel de l'homme qui s'appelle aussi la tête du corps, Rosh Hagvia, et il donne à la femme. Chez la femme, le processus inverse. Quand elle reçoit d'en bas, ça monte en haut. Chez l'homme, c'est d'en haut, ça descend en bas. Ça passe chez la femme d'en bas et ça monte en haut. Et après, dit le Ari Akadosh, quand on l'embrasse dans la bouche, on peut avoir le goût de cette miséricorde. Il y a un goût doux, la bouche. Et la femme, quand est-ce qu'on sait que la femme, elle est contente de ce qu'on a fait? C'est quand elle veut nous embrasser dans la bouche. Alors il dit, « Iti melevanon », ça se répète encore une fois,
Pourquoi ça se répète? Parce que les sages disent qu'un sage, il peut faire deux fois la mitzvah. Boel veshoné. Ça veut dire que il fait une première fois, le liquide sort, et il fait une deuxième fois. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils disent que c'est possible que la première fois, la femme, elle n'était pas contente encore. Alors il doit continuer, et lui donner une deuxième fois. Et la deuxième fois, elle sera contente. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, « Itim ilévanon tachouri. » Mazé tachouri, mechon shir. Tu seras heureuse, tu chanteras. Qu'est-ce que c'est un corps qui chante? C'est un corps qui vibre. C'est quoi la chanson? Ce sont des vibrations qui passent dans un espace de... Ça s'appelle comment? Écho. C'est l'espace vibratoire, non? La caisse de vibration. Et on a la vibration de l'action de l'homme. Donc la caisse vibratoire qui est la femme, elle chante. Il y a une vraie chanson. Elle est heureuse. Elle se comporte pas comme l'homme. Oh, Rabbeinu HaKadosh. Mazal Tov, Chag Sameach. Shana Tova. איזה יפה, תשדיד. משהו. שף, תשמע שיעור בצרפתית. יופי, שיעור טוב. איפה יש כיפה? פה, עכשיו, כיפת שמיים. כיפת שמיים? כן. כל טוב. יש כאן לחיים, רבנו. לכבוד הנכדה החדשה. נכדה. לכבוד ראש השנה. דאבל, בטח. דאבל. מעולה. לחיים. שב. בקיצור, עידי תבואי תשורי. מה זה תשורי? תשובה שונטה. אברמו, לפעם, אלא אין פליזיר, ססונטן. יא לרספירציון. לרספירציון. אלא מילנטן, סא, איבא אונטן, סא. נכון? יא לרספירציון. Il y a la vibration du physique, tout simplement. Il y a le mouvement du corps. Donc, tous ces moyens de se parler sans parler, c'est les chansons qui sont les plus profondes. Parce que quand on chante avec un mot, ça y est, t'as dit « je t'aime ». C'est bien, tu aimes. Mais quand « je t'aime » sans parler, il n'y a pas de limite. Où est la limite? Où ça commence? Où ça finit? Alors il dit, Mirosh Amana, Emuna, Mirosh Emuna, Mirosh de la tête, de quoi? De la foi. C'est quoi la tête de la foi? Quand une femme, Baruch Hashem, elle accepte que son mari lui fasse du plaisir. Pas tous les hommes, femmes qui se touchent. La femme accepte d'arriver dans des plaisirs que vraiment elle se contracte, décontracte complètement et il y a les vibrations qui sortent et les voix qui sortent et même les mots qui peuvent sortir au milieu. Ça, c'est quand on est marié, quand on a de la émouna, quand on est déjà, on se connaît, on se donne confiance, on sait qu'on est un, il n'y a plus rien entre nous qui sépare. Alors la femme, donne ça. Alors il lui dit ici, Mirosh Amana, tu veux que moi, Itim et Levanon, je disais, Loven Zebarosh, c'est dans la tête. Tu veux que moi, je te donne le Loven. Moi, j'ai besoin de ta foi. Si j'ai pas ta foi, si tu es pas avec moi, et tu es ailleurs, et tu fais aller, je pars. Je suis pas un animal. Je suis pas venu pour faire des besoins. Les besoins, il y a des toilettes pour ça. Mais moi, je suis là pour vraiment créer une fusion. Alors il dit, Mirosh Senir Vechermon. Aussi Senir Vechermon. Chermon, c'est les montagnes très hautes en Israël qui sont tout le temps en neige. Alors il lui dit, Mirosh Senir Vechermon, là-bas dans le Chermon, j'ai fait descendre le Loven de ma tête pour te le donner. Mimeronot Arayot. C'est quoi Mimeronot Arayot? Le Arié, c'est le lion.
Maintenant, le lion, je ne sais pas si vous savez, mais dans la nature, le lion peut être avec la femme, je ne sais pas quoi, 100 fois, ou quelque chose de très très puissant. Il y a même des photos sur Internet qu'on voit qu'il vraiment, il est seulement du muscle, tellement qu'il est dans l'action. Alors il lui dit, mais en otarayot, sache que moi, quand je suis avec toi, je suis un lion. Mais quelle sorte de lion? Est-ce que je suis le lion qui s'impose sur la lionne et par force lui fait ça? Ou bien mi meonot? C'est quoi meonot? Meonot, c'est l'endroit où on habite. Est-ce que je me retiens malgré que je suis un lion? Si je sais, l'homme sait se retenir de ses envies avec la faim, malgré qu'il a des envies comme un lion, et c'est naturel d'avoir des envies comme un lion, si je sais me retenir de ça, alors Baruch Hashem, la femme me donne confiance. Mais si elle voit que j'ai aucune possibilité de me retenir comme aujourd'hui, on en a parlé, mais il y a le problème que le liquide masculin sort très vite, donc la femme n'a même pas encore commencé à penser ou à vouloir, et tac, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle se sent en fusion avec le mari? Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis là, je reste, mais en vrai, il n'y a aucun plaisir là-bas, il n'y a aucun désir. Il dit, mais Rei Nemerim, le lion, il est dans des, comme des grottes, et les Namer, c'est le tigre. Et le tigre, il est dans les montagnes. Alors il lui dit, d'en haut ou d'en bas, moi j'ai le désir de toi. Que je sois quelqu'un de haut ou que je sois quelqu'un de bas, moi j'ai le désir de toi. Et il est écrit, Ayafor kushi oro venamer chabar burotav. Est-ce que quelqu'un qui a une couleur matisse peut devenir blanc? Non, la même chose, le tigre ne peut pas changer sa nature. Oui, sauf l'homme. L'homme peut changer, pas seulement peut, est obligé de changer sa nature et évoluer dans les rapports intimes. Et quand est-ce qu'on sait qu'une personne vraiment a changé son état d'esprit, sa pensée, sa conscience? Pendant les rapports intimes. Ça, tout le monde le dit. Les femmes, les hommes, quand une femme a décidé de changer son comportement vis-à-vis de son mari et vraiment donner la foi entière et le sentiment de l'intimité, le mari ressent tout de suite. Donc, dans l'intimité, il n'y a pas de mensonge. Et le Ari Akadosh dit, dans un livre qui s'appelle Shar HaKlalim, c'est avant qu'on étudie la Kabbalah, il y a des règles de Kabbalah. Et dans les règles de Kabbalah, il explique l'Ari HaKadosh qu'en effet, le membre masculin, c'est un tuyau. Donc, non seulement il donne, mais aussi il reçoit. Donc, avant que je donne le liquide masculin, j'ai eu l'air de toi. Qu'est-ce que tu penses de moi? Et il dit plus que ça. Quand on s'embrasse dans la bouche, l'air du cœur passe. L'air du cœur se transfère. Donc, la femme... Je m'arrête la chaîne. Donc, la femme, quand l'homme l'embrasse, dans la bouche, et les femmes fausses n'embrassent jamais dans la bouche. Ça, c'est une des règles qu'il faut savoir. Pourquoi? Parce que si elle embrasse dans la bouche, l'air passe. Et l'air où il va, direct dans le cœur. Et quand il va dans le cœur, on ne peut pas cacher qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qu'on a. Les femmes disent, j'ai ressenti. À un point que des fois une femme peut dire à l'homme, toi, la femme que tu veux avec elle, elle s'appelle Sophie. Oui, il y a des femmes, c'est des détecteurs électroniques. Pourquoi elles savent? Parce que l'air, même si on ne veut pas dire, c'est notre, dans notre cœur. Ça, c'est un. Et le cerveau, l'air du cerveau,
passe par le membre présentiel. Donc ce que tu penses de moi, ce que tu ressens de moi, tout va se dévoiler dans l'acte intime. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a toutes sortes de façons comment les gens sont dans l'intimité. Il y a des êtres humains qui savent que leur intimité n'est pas de grande qualité, parce qu'ils savent que ou lui il cache, ou la femme elle cache, ou ils ont d'autres plaisirs ou d'autres désirs. Et malgré ça, ils sont ensemble une fois par semaine, chacun son rythme, mais c'est technique, tac tac, c'est fini. Mais nous on ne cherche pas ça. Le cantique de cantique parle d'un acte qui est entier. On veut arriver à une fusion de tous les degrés de l'être, de l'âme, de l'esprit, de la vitalité, du corps, de tout. Et c'est pour ça que quand on arrive à la couronne, qui est la lumière verticale, blanche, qu'on peut atteindre, d'après les cours qu'on a enseignés, il y a une série avant que j'ai donnée, on peut atteindre la lumière verticale blanche. Quand on est dans la lumière verticale blanche, plus rien n'existe en séparation. Une femme peut se faire plaisir d'elle-même, mais elle sait qu'elle est toute seule. Donc, oui, elle a pris un plaisir, mais c'est un plaisir solitaire. Donc, elle n'est pas arrivée à la lumière blanche. Mais si elle est avec son homme et ils sont vraiment dans une fusion physique totale, ils montent les deux dans la lumière blanche. Et dans la lumière blanche, il n'y a plus homme-femme. Ça n'existe plus. Donc ceux qui ont eu des expériences avec leur femme ou avec leur homme qui est de cette qualité, ils savent qu'à un certain moment, tu oublies est-ce que tes mains, est-ce que tes pieds, c'est le corps de qui est où. Tu oublies ça. Il n'y a plus de sensation. Ça veut dire qu'on ça y est, on est monté en lumière verticale. Et dans la lumière verticale, on est dans la couronne, dans le Keter, dans la couronne, dans le lotus. Il y a beaucoup de noms qui parlent de la même chose. De quoi ils parlent? Tout le monde parle de la lumière blanche verticale qui est la lumière de l'union totale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les lumières horizontales. On les assemble, on reçoit 10, addition, 10, et quand c'est 10, c'est un point yud, on est monté dans la lumière. Et tout cela, les sages de la Kabbalah disent qu'on peut arriver à ça, à cette lumière, seulement par l'acte intime. Et ceux, il faut bien préciser, ceux qui ont eu le mérite de l'acte intime lumière peuvent après rentrer dans le point zéro dans la lumière, ils peuvent, mais ceux qui n'ont pas eu ça, ils n'ont jamais été un en union d'homme-femme. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la vie. Dieu a fait que l'homme et la femme c'est un, qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas nous qui ont mis les règles de le comportement du monde. C'est le Dieu. Alors, moi, je donne beaucoup de respect à tout le monde. Il y a des gens qui sont moines, il y a des gens qui sont je sais pas quoi. On les respecte. Pourquoi? Il a décidé, c'est son choix. Mais j'ai eu une conversation avec le prêtre bablois de l'Afrique. Il m'a dit, moi, je suis comme ça. Parce que j'ai pris sur moi les coutumes catholiques et mais il dit, mais dans ma communauté, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont des questions, je dois leur donner des réponses. Et c'est de la vérité. Même les moines chinois bouddhistes, même eux savent. Tu sais, chez eux, tu peux rentrer être un moine après que tu aies une famille. Là-bas, c'est spécial. Tu vas dans un shaman, dans un endroit, dans un temple,
tu laisses ta famille, tes enfants, tout, tu te sacrifies à être un bouddhiste, et c'est tout, on te laisse tranquille. Il n'y a plus de... Mais tu as le droit de vivre une vie, etc. Et tu sais que dans le bouddhisme, je ne savais pas, mais interdit de conversion. C'est-à-dire... Ils ne peuvent pas se convertir. Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que on te dit, tu es né comme tu es né. Bouge pas. Ouais. Et même dans toutes les religions, il y a des gens qui se consacrent pour la sagesse. C'est normal. Ouais. Mais chez nous, dans la Kabbale, se consacrer dans la sagesse, il faut être premièrement un entier pour recevoir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître de l'étude de la Kabbale, 2000 ans, lui, il explique à la fin de sa vie, les dernières paroles. Peut-être quand on finit le cantique de cantique, on va rentrer dans ça, dans le Zohar Kadosh. Il dit, il explique exactement que le but de tout, ou bien le summum de l'existence spirituelle et l'intimité conjugale. C'est le summum. Et même on sait, quand on regarde de façon physiologique, biochimique, on voit, quand on fait MRI, les gens ont fait l'amour et ils ont rentré la tête dans le truc là qui tourne de MRI pour voir qu'est-ce qui se passe. Tout le cerveau, tous les neurones sont illuminés. Tout. Quand je regarde, j'ai le côté arrière. Quand j'entends, j'ai le côté de... Chaque fois que je fais quelque chose, on voit un endroit, chaque endroit qui est illuminé. Mais dans cette action-là, tous les sens, tout mon corps, toutes mes cellules, tout mon cerveau, tout est illuminé. C'est pour ça qu'il parle ici, mes roches, de ma tête, il parle ici du Lebanon. C'est le sommet des montagnes. Jusqu'à où? Jusqu'au fin fond de mes pieds. Alors, que Dieu nous donne la force et le courage, Bezrat Hashem, qu'on ait tous une très bonne année, Shana Tova, bonne année pour tout le monde, ceux qui sont juifs, ceux qui ne sont pas juifs, dans la lumière blanche, il n'y a aucune différence. Et plus les êtres sur terre vont se connecter à cette lumière blanche et à l'union, et plus on aura cette lumière autour de nous, et plus on aura tout ce qu'on désire tous, une année de paix, une année de joie, une année de sagesse, une année d'union, et une année qu'on soit et qu'on puisse faire plaisir à ceux qui nous a, à celui qui nous a créé. Bon, Radona et Olam, amen. Amen. Bye, Jesus, Malachim, Lord, Zed, Zed, Bye.